Nous avons discuté l'importance de la liberté de la presse et de ses efforts de promouvoir la presse au Bénin. Et nous continuons à chercher les opportunités de travailler ensemble parce que la liberté de la presse et des médias est une des bases très importantes des démocraties comme le Bénin et les États-Unis. Et nous devons travailler ensemble, on se regarde. Les États-Unis sont effectivement très attentifs à l'évolution de la liberté de la presse. Il a été question pour l'ambassadeur de demander quelques explications sur la suspension des médias en ligne, où nos efforts de dénouement ont été salués. Il a été question de voir dans quelle mesure on peut nous appuyer afin de faire débloquer les appuis prévu par le PAG au monde des médias. Il y a un programme important destiné aux journalistes et qui est pour l'instant suspendu pour cause de la pandémie de Covid-19. Et j'ai obtenu de Madame l'ambassadeur que ces différents programmes, avec de multiples intérêts, soient néanmoins déroulés pour ce qui peut l'être, notamment le volet formation par visioconférence. Et peut-être bien des séjours de formation aux États-Unis.